Comme lors de sa première saison, Yassine était aussi impressionnant sur le camp que sur les épreuves et comme lors de sa première saison, il ne sera pas sur les poteaux de Colanta. Lors de la soirée des binômes, l'aventurier a tiré la mauvaise boule qui s'appelait Alban. Ce dernier n'était en effet plus apprécié depuis le dernier conseil où il avait exprimé son étonnement devant l'élimination de Candice, plus grand que plus grand que plus grand que Colanta, insulté sur les réseaux sociaux. Pascal Saint-Digné Yassin est donc rapidement devenu une cible de choix pour les 13 stratèges Pascal et Ravière, ses amis d'hier, qui ont vu une opportunité unique d'éliminer l'homme fort de cette saison, en même temps qu'Alban, Jérémy et Nathalie, respectivement associés à Clémence et Cassandre n'ont pas non plus trop réfléchi devant cette chance d'avancer un peu plus dans le jeu, plus grand que plus grand que plus grand que Colanta, le combat des héros insultés et menacés, Ravière Sandiniel ne restait à. Yacine et Alban qu'un mince espoir, celui de remporter l'épreuve d'immunité. Très stressé depuis l'annonce des binômes, Yacine n'a malheureusement pas su ménager le pauvre. Alban. À cause d'un coup de vent, le duo a vu tomber sa boule sur une épreuve d'équilibre, en même temps que celle de Jérémy. Clémence, Cassandre et Nathalie, laissant Pascal et Ravière victorieux. Le Belge le sera un peu plus puisqu'après avoir éliminé Alban, il a reçu de ce Dernier un double vote pour la semaine prochaine. En plus d'une belle trahison, Colanta, ce soir, c'était aussi du spectacle, l'épisode a commencé sur Pascal. Enfin psychologue, qui analyse le conseil précédent, Alban est censé être avec nous, et hier il a montré qu'il aimait bien Candice, premier crime. De l'aise-majesté, il a poursuivi sur le deuxième crime de l'aise-majesté de la soirée, attention, ça vaut des points, Yacine, l'erreur qu'il a faite, c'est de m'avoir dit de me taire. Eh oui, parce que non seulement Pascal ne se tait jamais, mais en plus, il est susceptible, Clémence nous. A fait rêver avec un sourire ravissant, peuplé de boue, Nathalie a profité de l'épreuve de la boue pour toucher le corps de Cassandre. Partout, et elle était R.A.V.I.E., Cassandre lui a rendu l'appareil. À sa façon, c'est toi la spécialiste des colliers, tu en as trouvé un. Faux, c'est déjà ça, Cassandre, oui, elle était très en forme à passer une nuit sous la pluie. Donc elle a mis ses lunettes de piscine pour veiller sur le feu, parce qu'elle a montré qu'il avait une définition bizarre de haut la main. On a gagné haut la main. Comprendre, on a été à deux secondes près, les derniers à perdre, la finale du combat des héros à base de Nathalie Ravière. Vous là. Voyez, nous, après l'élimination de Dylan, Candice et Yacine, on la voit de plus en plus, l'instant gênant du jour on hésite entre le moment où Ravière racle son maillot de bain pour en évacuer la boue et celui où Nathalie sort ses seins dans le même but. La faute du français du jour par Pascal, Alban tu entraînes dans ta chute le Yacine qui lui aussi n'était pas l'aventurier que je pensais qu'il soit. Amen.